parado shabara de comparisa. Payelero. Arena shande paralico de mare. Chelara. Persa tu. Moi. Pégouvé. Moi, car je suis à toi, Père Possé, Père Possé, c'est la priorité, ma prière, ma première prière, la priorité de ma vie, sois pleinement formé, Père Gouvé. Gouverne-moi, car je suis, Père possède-moi, Père sature, rends-moi tout entier à toi, rends-moi fécond. Fais-moi porter le fruit de la maturité. Fais que la graine devienne fruit à travers moi. Oh, car je suis braqué, bratata. Oh, ça c'est la priorité. C'est l'ordre divin. Possède-moi. Père, sature mon caractère. Sature mes émotions. Sature mes pensées, sature mes motivations, je t'en prie. Oh, ne me laisse pas être un édifice superficiel, sans fondement, avec les choses secondaires, mais sans les choses premières, commencement principal. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je t'en supplie, accorde-moi la grâce de te voir pleinement formé en moi. Ô Christ, l'image du Dieu invisible. Père, sature-moi, que rien en moi ne t'échappe à ma Père. Commande, règne-moi, gouverne-moi, réparate. Père, sature, Père, gouverne-moi, règne-moi, je t'en prie. Car je suis à toi. Oh, accorde-moi la grâce d'être fondé sur le roc, d'être bâti sur le fondement, de voir ma vie posée sur le fondement. Le fondement, c'est pas le mariage. Le fondement, c'est pas la puissance. Le fondement, c'est pas la guérison. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de délivrance. Mais c'est pas le fondement. Le fondement, c'est le Christ formé en moi. Formé en moi. Père, il y a des gens qui ont reçu le mariage qui finiront en enfer. Il y a des gens qui auront fait les prodiges qui finiront en enfer. Il y a des gens qui ont manifesté la puissance dans laquelle Jésus dira, je ne vous connais pas, on n'a pas de relation, je ne crois pas en vous, vous n'avez pas mon image. Alors je t'en supplie, pose ma vie, pose-moi sur le fondement, la pierre angulaire, aligne-moi sur le Christ, sur la bonté de Dieu, l'humilité de Dieu, la patience de Dieu, la fidélité de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, indescriptible et pleine de gloire. Paix possède, Père sature, oh Père sature, je t'en supplie. Pose le fondement, aligne-moi sur le Christ, je t'en supplie. Ne laisse pas ma vie ressembler à une maison qui a de belles fenêtres, de belles portes, un beau revêtement mural. En apparence c'est beau, mais il n'y a pas de fondation, il n'y a rien derrière. Ça a l'air de tenir, le mal
mariage a l'air de tenir. Mais quand viendront les incompréhensions, quand viendront les tempêtes, quand viendront les pluies, quand viendront les vents, la maison sera ébranlée. Et on dira, waouh, c'est ça chrétien, c'est ça votre Jésus. Regardez le témoignage. Et c'est là que Jésus a honte. Le ciel est embarrassé, les anges sont embarrassés à cause du sale témoignage que tu donnes au lieu de donner un témoignage à la louange et à la gloire de son nom qui amène les nations à regarder en haut et à bénir Dieu. Non, ils vont banaliser Dieu à cause de ta légèreté. Oh, je t'en supplie, pose le fondement de ma vie. Car je suis paix et compassion de nous. Pardonne-nous la superficialité de nos constructions, des édifices spirituels que nous sommes. Pardonne-nous la superficialité de nos prières, la superficialité de nos désirs. Christ n'est même pas fondé et tu veux déjà le mariage. Christ n'est pas fondé et tu veux la richesse. Christ n'est pas fondé et tu veux la faveur. Christ n'est pas fondé. Tu ne pourras pas garder ce que Christ te donnerait s'il te le donnait. Tu ne pourrais pas. Christ n'est pas fondé, il n'est pas formé. Je vais aller impacter la politique. Non, la politique, le monde va te corrompre parce que Christ n'est pas formé. C'est ce qui se passe dehors. Alors toi qui es là, prépare-toi. Remets le fondement. Fais de lui la priorité. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Paix. Saint-Dieu. Père gouverne. Père gouverne. Règne en moi. Car je suis. Ne me laisse pas être un temple de cohabitation. Accorde-moi la grâce de respecter la priorité de Dieu. D'accorder la priorité aux priorités. Je ne dis pas non au reste. Je ne dis pas non à la délivrance, j'en ai besoin. Je ne dis pas non à la faveur, j'en ai besoin. Mais ce matin, je te demande, je t'en supplie, que mes soupirs, mes prières, mes gémissements soient orientés vers la fondation. Le reste, tu as dit chercher premièrement d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand la création verra le visage du Christ en moi, du lion de la tribu de Juda, des portes s'ouvriront à cause du Christ pleinement formé. Des faveurs arriveront à cause du Christ pleinement formé. Les moissons viendront à cause du Christ pleinement formé. Parce que le Christ pleinement formé va engendrer un homme et une femme conduits par l'Esprit. Et un homme et une femme conduits par l'Esprit, marchant au son de sa voix, ne peut pas galérer, ne peut pas échouer. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sur sa parole. Et échouer, c'est impossible. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais ça commence par le fondement du Christ pleinement formé. Son caractère ainsi établi, enraciné, bétonné. Fais-nous grâce et miséricorde. Nous te remercions de ce que tu nous pardonnes. Tu envoies cette parole pour nous rappeler ces choses que nous savons déjà. Mais ce monde est tellement corrompu et ça va tellement vite. Il y a tellement de séduction des richesses, la séduction du bling bling, que beaucoup se laissent séduire et emporter loin des fondements. Mais nous, enracine-nous en toi. Fonde-nous sur le Christ. Fais-nous aimer le Christ. Désirer le Christ. Chercher premièrement le Christ. Ton règne par le Saint-Esprit. Merci d'avoir compassion de nous. Merci parce qu'à travers cette parole, tu fixes le fondement à la vie d'une personne. Et tu nous amènes à te désirer, à orienter nos soupirs, nos gémissements, nos prières, pas vers l'argent, pas vers les choses, mais vers toi d'abord, le Dieu des choses,
et pas les choses de Dieu. Béni soit le nom de celui qui a envoyé sa parole ce matin et qui nous rend capables de pratiquer cette parole, de sorte que cette parole devienne chère et qu'elle soit contemplée, que la parole soit visible et que sa visibilité soit attestée dans notre époque et dans notre génération. Oui, nous serons trouvés féconds. Oui, nous nous multiplions comme jamais. Oui, nous allons remplir tous les territoires géographiques et les terres de France. Oui, nous allons assujettir notre vivant, soumettre, et nous allons dominer, régner en roi et en sacrificateur à celui qui a envoyé cette parole et qui est fidèle pour la rendre manifeste. Soit la louange, la gloire et l'honneur, la célébration d'un racheté au nom de Jésus le Christ. Akaprateke, Iprana Shakata, Eparade, Isaka Paregadia. O Paranesha, Iprene Rana Shaketo Pare. Yes, Lord. Yes, Lord. We thank you.